Mise à la terre d'une ligne HTA et en court-circuit. Localisation du chantier et de l'emplacement d'une des mises à la terre visible depuis la zone de travail et balisage. Signature de la première étape de consignation. Présentation du matériel. Mise en place du piquet de terre en ayant contrôlé les DICT. Déroulage des câblettes de terre sans les croiser et raccordement de deux d'entre elles. Contrôle des EPI. Test du VAT. Mise en place du VAT sur la perche avec un angle de 45 degrés. VAT sur les trois fils avec un temps supérieur à 3 secondes par fil. Test du VAT. Mise en place de la câblette sur la dernière perche. Levage des perches sur les fils. Vérification du balisage en place. Opération terminée.